Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Peace. Wesh les zombies, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de la nouvelle histoire de la map classifiée de Zombie Experience, parce qu'il y a un petit easter egg caché dans cette map qui vous raconte un peu l'histoire de la map. Alors, c'est une partie bien sûr. Alors pour ce faire, vous avez juste à ouvrir les bureaux, et quand vous arrivez au bureau, au fond de cette pièce, il y a une porte. Vous appuyez sur carré pour toquer, et là vous allez devoir appuyer plusieurs fois pour toquer, parce que il y a une personne qui va vous parler, qui va vous dire ouais laissez-moi tranquille, etc. Mais de toute façon là je vous laisse écouter tout ce qui se raconte, j'enregistre et je vous mets tout le dialogue. Donc bon visionnage les potos. J'ai bien précisé que je ne voulais être dérangé sous aucun prétexte. Cette réunion est de la plus haute importance et je dois m'assurer que tout se déroule à la perfection. Pardon, mais je croyais avoir été clair. Cette réunion va littéralement changer le cours de l'histoire. Ce n'est pas un abus de langage. Destruction mutuelle assurée. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Cette réunion vise justement à rendre ce concept obsolète. Donc, je vous le redemande gentiment. Laissez-moi tranquille! Pourquoi vous entêtez autant? Qu'est-ce qui peut bien être plus important que mon travail? Oh, je sais. Ça y est, j'ai compris. Si c'est à propos de ce serveur défectueux, nous sommes au courant et il sera réparé avant mardi. Voilà. Si on en a terminé, je vous le répète. Laissez-moi tranquille! Vous n'avez donc aucune dignité? Vous ne saisissez donc pas l'importance de mon travail? Ce n'est pas uniquement le combat de l'Amérique, c'est le combat du monde! Attendez une minute. Purnell, c'est vous? Purnell, si vous ne me laissez pas tranquille, je vais vous faire virer de Groom Lake, je me fiche de ce que la firme peut en dire! Vous savez bien qu'il ne faut pas me déranger à cette... Vous avez entendu les potos, c'est tellement insane quand t'entends Samantha crier « Ouais, laissez-les tranquilles, il vous a dit de le laisser tranquille, c'est tellement incroyable !» Et regardez, là j'ai un spawn de zombies, je pense que c'est pas normal ça, mais ils spawnent en illimité ou quoi? J'ai plein de zombies bizarres là, comme ça, je sais plus comment ils s'appellent, les zombies rampants. Je sais pas si ça a un rapport, attendez, je vais essayer de rappuyer carré sur la porte. Non, ça fait plus rien. Bon, peut-être que Samantha a fait apparaître toutes ces petites bestioles parce que, je crois qu'on a trop fait chier le personnage. Et quoi, ça spawn en illimité? Attendez, je vais essayer de tous les tuer parce que... Regardez tout ce qu'il y en a. C'est pas possible, ça. Vas-y, là, il y a une bombe. What the fuck? Eh, ça passe pas la manche. Eh, il y en a encore qui vont spawn, tu crois? Attends, c'est pas possible. Là, je prends une bombe, manche 2. La manche, elle passe pas. Putain, il y a encore des goulooms. Voilà, c'est ça, c'est des goulooms. Là, c'est bon, là, c'était le dernier, non? Quoi? C'est pas le dernier? Mais what the fuck? Attends, il y a un problème là. Attends, je vais essayer de comprendre pourquoi je peux plus passer les manches là. C'est bon, j'ai réussi à passer la manche, mais franchement, il y en avait blindé. Il y en a bien une trentaine, une quarantaine, c'est ouf. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Bien sûr, bien entendu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulo Mike et ciao. Peace. Make breath.